Bonsoir, c'est le vlog du dimanche soir consacré à l'harmonica diatonique. Ce soir, je vais vous parler de vous. En fait, je vais vous donner la parole. Comment ? Je vous explique ça dans quelques instants. Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de vlog. Alors, avant de vous donner la parole, si ce n'est déjà fait, vous pouvez cliquer sur le bouton rouge en bas à gauche de la vidéo, le bouton s'abonner, pour rejoindre des centaines et des centaines de musiciens passionnés par l'harmonica, le piano et la chanson française. Alors, je vous le disais à l'instant, je vais vous donner la parole. Comment ? Eh bien, par vos témoignages. En effet, quoi de mieux pour une nouvelle personne ? Une nouvelle recrue, pourrais-je dire, quelqu'un qui découvre l'École internationale d'harmonica, quoi de mieux que de vous donner la parole pour que vous puissiez lui dire ce que vous pensez de l'école. Alors, je touche du bois, pour l'instant, tous les témoignages ont été des témoignages positifs, ce qui prouve que, tant mieux, ça prouve que ce que vous trouvez dans l'école vous convient, mais à des degrés divers, bien évidemment. Donc, plutôt que de vous vanter les mérites de l'école, eh bien, je vous donne la parole en vous lisant de nombreux témoignages qui m'ont été laissés depuis le lancement de cette formation, enfin, le lancement de ces formations plutôt en septembre 2014. Et oui, ça fait déjà quelques années. Donc, évidemment, si vous regardez cette vidéo un an après son lancement, je suppose qu'il y aura eu entre-temps d'autres témoignages. Et vous-même, si vous avez envie de témoigner sur votre expérience au sein de l'École internationale d'harmonica, eh bien, n'hésitez pas à m'envoyer votre témoignage. Donc, de deux façons, soit en texte, et à ce moment-là, je publie dans la section témoignages du site harmodiatojazz.com, soit en vidéo, et à ce moment-là, je le publie sur la chaîne YouTube. Mais ce soir, donc, j'ai repéré sur ma tablette, j'ai répertorié pas mal de témoignages que je vais vous lire. Eric. J'aime encourager les personnes comme Bertrand qui ont une passion, la partagent et rendent les gens plus heureux. Pascal. Bertrand est un prof super, ses cours sont très clairs et simples. Pour ma part, j'ai démarré avec le cercle des marins d'eau douce. J'apprends à mon rythme, c'est ce que je recherchais. Je maîtrise l'instrument de jour en jour. J'ai encore du chemin à faire pour arriver au niveau que je veux. Grâce à Bertrand, j'y arriverai. Merci Bertrand pour tout ce que tu fais pour nous. Alors, une précision, le Cercle des Marins d'eau douce, c'est une formation pour les grands débutants qui vous permet, en moins de 6 mois, d'apprendre à jouer toutes les notes naturelles soufflées et aspirées sur l'instrument et d'être à l'aise dans la plupart des morceaux en ayant étudié à peu près 80% des rythmes qui existent dans la musique occidentale. Et c'est une formation au sein de laquelle vous avez aussi la participation exclusive à 6 ateliers collectifs en ligne sur les 6 mois, ce qui vous permet d'avoir un retour régulier sur votre progression. Sandrine. Les cours sont très compréhensibles et je crois que mes voisins vont un peu craquer à m'entendre faire le train tous les soirs. Et oui, car dans le premier module de cours, je vous apprends les effets train. Patricia. Étant nouvel élève, je me suis déjà aperçu que notre prof était très patient et agréable à écouter. Il explique très bien les cours et j'ai vraiment envie de continuer avec lui. Tant mieux. Francis. J'ai éprouvé beaucoup de plaisir à apprendre à jouer de l'harmonica. Je continuerai à me perfectionner, à suivre vos vlogs, vos agora et à acheter quelques dossiers pédagogiques. Grâce à vous et à votre pédagogie, j'ai beaucoup progressé et je vous en remercie. Je resterai toujours fidèle à Harmonica Jazz et je reprendrai sans doute un jour d'autres formations. Encore merci de m'avoir mis le pied à l'étrier amicalement. Eh ben, je suis très content pour vous, Francis. Alors, donc les vlogs, le vlog, c'est ce que vous suivez. Les agora, c'est tous les mardis soirs, c'est questions ouvertes pendant une heure, deux heures, voire trois heures, si vous avez beaucoup de questions, mais généralement, ça dure entre une heure et deux heures. Donc, c'est le mardi soir, vous trouverez un lien sous la vidéo pour rejoindre la prochaine agora. C'est complètement libre, ouvert à tous.
Voilà, donc Harmonia de Jazz, bien sûr, c'est le site harmoniatejazz.com. Et puis les dossiers pédagogiques, ça vous permet d'apprendre à jouer des morceaux. Donc vous regarderez la playlist, la vidéo du samedi midi. Et dans les dernières vidéos, si vous verrez que si vous voulez apprendre à jouer une chanson française ou un morceau de jazz ou un chant de Noël, eh bien vous trouverez le lien en haut à droite de la vidéo, le i, vous cliquez sur le i et ça vous redirige progressivement vers les dossiers pédagogiques, ce qui vous permet d'apprendre à jouer ces morceaux. Alain, pour mon compte, j'ai démarré avec une formation accélérée, le Cercle des Marins d'Eau Douce, depuis mi-juin, formation que l'on peut suivre à son rythme et dès l'inscription, vous avez accès à tous les modules de la formation. Je vais bientôt finir cette formation et au cours de celle-ci, normalement, je suis censé connaître toutes les notes naturelles de l'harmonica, mais c'est Bertrand qui décidera si je suis capable de passer à la formation supérieure. La formation supérieure, c'est celle sur les altérations inspirées, que j'appelle le carré des plaisanciers. Vous voyez, Bertrand ne vous force pas la main pour acheter un nouveau cours. Ce qu'il recherche, du moins c'est mon avis, c'est que l'on prenne plaisir à jouer de cet instrument magique qui tient dans la main et qui se trouve très souvent dans ma poche. Au début, j'avoue que j'avais beaucoup de difficultés avec les trous 2 et 3. Je me disais, c'est un problème dû à l'harmonica. Alors j'ai envoyé un mail à Bertrand et de suite, il m'a envoyé une réponse en m'indiquant de suivre certaines vidéos pour que je comprenne que beaucoup d'élèves ont eu le même problème et que cela ne venait pas de l'harmonica mais de moi-même. Je n'en dirai pas plus si vous avez eu les mêmes difficultés. Rapprochez-vous de Bertrand, c'est un gars formidable qui mérite d'être reconnu. Merci Bertrand et j'espère moi aussi aller très loin avec toi et vive Internet. Ah oui, Internet c'est génial hein, parce que grâce à Internet, on peut communiquer comme ça dans tous les pays du monde. Et c'est vrai que pendant les agoras ou les ateliers, parfois il y a des élèves qui viennent du Canada, enfin qui habitent au Canada ou au Qatar, au Maroc, en Algérie, en France, en Belgique, au Luxembourg, à Haïti. Enfin vraiment, il y a des gens d'un peu partout dans le monde et on se regroupe tous ensemble. C'est vraiment génial, quoi. Francis, vous êtes quelqu'un de bien. Vous avez fait beaucoup pour ceux qui aiment l'harmonica comme moi. Moi, je vous souhaite tout le meilleur. Ben, merci Francis. Christophe, vos cours sont excellents. Michel, j'ai moi-même un prof d'armo pour des cours collectifs. Il n'est pas trop pédagogue, mais bon, c'est grâce à lui que j'ai commencé et découvert les tablatures. Il a le mérite d'exister. À présent, je peux me tourner ailleurs, critiquer mais inutile et me fait mal. Alors je suis Bertrand dans ce qu'il propose. Une chose est sûre, il est très généreux. Alors Michel, en fait, effectivement, donc il a découvert les tablatures. Les tablatures, en fait, sont des espèces de simplification de partition pour que vous puissiez savoir où est-ce qu'il faut souffler, aspirer ou éventuellement altérer. Et effectivement, bon, bah, son professeur là, qui en cours collectif, avait tendance à le critiquer beaucoup. Et alors critiquer quand c'est une critique constructive, c'est bien. Critiquer pour faire mal, évidemment, c'est nettement moins bien. Bruno, je vous remercie très chaleureusement de toute cette expertise et ce talent dont vous avez bien voulu me faire profiter. Je continuerai bien sûr à fréquenter votre site et ses leçons. Donc n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions à poser, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi par téléphone et puis moi, bah, effectivement, comme le dit Bruno, je vous apporterai mon expertise. Philippe, je vous félicite pour la clarté et le professionnalisme de vos formations. Bob, tu m'as permis de me relancer et j'en te remercie. Actuellement, je joue en notes naturelles avec tablature plus de 40 morceaux. Certains me donnent entièrement satisfaction. D'autres doivent être travaillés. J'ai acquis des harmonicas en do, en sol et si bémol. Tes conseils quant au choix des modèles fut judicieux. Récemment, j'ai acheté un Marine Band de chez Honor, mais l'embouchure n'est pas agréable. Le plus efficient est bien le Hammond modèle bête de course que tu as conseillé. Donc, si vous voulez acquérir une bête de course, vous trouverez un lien sous la vidéo. Une bête de course, c'est effectivement un instrument Hammond H20 de chez Suzuki que j'améliore pour vous, ce qui vous permet de gagner du temps et de jouer plus facilement les altérations et les overnotes. Réal, merci beaucoup pour ces cadeaux qui sont très appréciés. Continue ton bon travail en enseignement de la musique. Tes cours sont excellents. Bah oui, quand vous prenez plusieurs formations, plus vous prenez de formations, moins ça vous coûte cher et plus vous recevez de cadeaux. Voilà. Donc ça peut être bah, des promotions ou parfois carrément des cadeaux physiques, comme par exemple ce petit calendrier de bureau avec bah, des images,
de la formation. Voilà, vous avez d'autres cadeaux possibles, parfois des livres. Enfin voilà, moi, quand je vois qu'un élève est très motivé, bah, je récompense, quoi. Donc vous avez, bah, vous, la satisfaction de progresser encore mieux et encore plus vite et encore plus haut parce que vous avez pris plusieurs formations. Si vous avez pris plusieurs formations, c'est que vous avez progressé, évidemment. Et puis en plus, bah, vous recevez aussi des petits cadeaux bonus quand même parce que, voilà, moi, j'ai tendance à féliciter tous ceux qui ont progressé. Et donc, bah, pour moi, ça fait partie de... C'est un peu comme une seconde nature. Quand quelqu'un fait vraiment quelque chose de bien, qu'il est hyper motivé, eh ben, j'ai encore envie d'être encore plus généreux avec lui. Henri, j'ai 62 ans. Moi aussi, je suis débutant qui souffle dans ce merveilleux instrument depuis très longtemps. Merci à Bertrand Chopin pour avoir créé ce cours. C'est super. J'ai déjà avalé les 4 premiers cours. C'est vraiment génial. Bon, Chopin ou Armo Chopin, ça fait partie de mes pseudos. Jean-Paul, encore merci Bertrand pour vos cours. Ils sont géniaux. Je progresse rapidement. Je suis ravi. Super. Bruno, donc c'est pas forcément le même Bruno à chaque fois, il y a plusieurs Bruno, il y a plusieurs Pascal, etc. Merci pour vos cours, je m'amuse vraiment bien, et pour un débutant comme moi, la vitesse d'apprentissage est parfaite. Il faut dire que le cours est à la carte, hein, donc vous y allez à la vitesse que vous voulez. Rodolphe, comment pourrais-je regretter de m'être abonné à la formation complète? C'est tout simplement génial, et je pèse mes mots. Bertrand transmet toute sa passion, son énergie, et c'est avec un réel enthousiasme que j'ouvre tous ses emails. Les progrès sont rapides et flagrants. Vive l'harmonica avec Armo Chopin. Merci Bertrand. Donc la formation complète, en fait, c'est une formation sur abonnement, et chaque mois, vous découvrez un nouveau module de cours. Bernard, prépare-toi à une agréable croisière pleine de rebondissements avec Bertrand. Ici, on se tutoie, c'est familial. Ah oui, une croisière, parce qu'en fait, j'imagine quand vous arrivez dans une de mes formations, que vous partez en croisière sur une péniche et vous avez tout un personnel de bord qui vous accueille. Donc ce sont des personnages de bande dessinée. Je me suis amusé à faire des voix, voilà. Ça donne un petit côté fun à la formation. Réal. Les cours sont très intéressants, prof très qualifié, bonne méthode d'enseignement, prof accessible pour répondre aux questions et avec Internet, on a l'impression que nous sommes tous réunis en direct dans la même salle de cours, ce qui est très intéressant. Bernard. Très bon site pour apprendre l'harmonica et autres instruments de musique avec... un très bon professeur. Oui, alors d'autres instruments de musique, éventuellement, c'est-à-dire que bah, c'est quand même de l'harmonica dont je parle, mais parfois, effectivement, je parle aussi d'autres instruments de musique comme le piano ou la flûte ou le didgeridoo. Enfin, voilà, de temps en temps, je fais des liens avec d'autres instruments. Sandro, professeur passionné, pédagogue, animé par le désir de transmettre son savoir. Valérie, l'interactivité me permet de me sentir suivi et pas largué derrière mon écran. Ça, c'est très important, c'est vrai. Bruno, encore un. Professeur sérieux pour ce qui est de la technique, très bon, aime partager sa passion, très bonne communication avec ses élèves. Valérie, j'avance à mon rythme, mais j'avance. Le cours se passe bien, pas de soucis, je trouve votre pédagogie très bien. Je recommanderai sans problème votre formation sur votre page Facebook, je peux communiquer sur vous. Dès que je suis prête, je vais poursuivre ma formation. J'ai toujours voulu faire de la musique et je suis trop contente. Donc, je ne compte pas m'arrêter là. Merci Bertrand pour votre attention. C'est très agréable de voir que vous pouvez également personnaliser cette formation à distance. Bah oui, puisqu'en fait, je vous suis à distance. Je ne vous laisse jamais dans votre coin. Donc, évidemment, je peux aussi personnaliser la formation. Mohamed, je suis novice en la matière et je trouve votre méthode facile à comprendre et vos conseils très utiles. Merci pour toutes ces vidéos. René, approche très intéressante, surtout quand vous donnez à l'apprenant une idée du temps que les étapes du travail peuvent lui prendre. Cela le prépare psychologiquement. Et effectivement, il y a certains cours qui peuvent être faits très rapidement, et d'autres, il faut plus de temps. Donc voilà, il faut se préparer effectivement parfois psychologiquement pour se dire « Ouf, ok, là, effectivement, c'est un peu difficile, mais bon, mon prof me l'avait dit, j'en ai pour une semaine. » Donc voilà, je ne me mets pas martel en tête, je sais que j'ai la semaine pour travailler cet exercice, par exemple. Julien, merci pour la qualité de votre site. Erizo, je progresse petit à petit, je pense que j'y arriverai, les vidéos m'aident tellement. Bah oui, il n'y a pas de raison, tout le monde réussit, donc vous aussi, Erizo, vous réussirez. Mister R, bon, il n'a pas voulu donner son prénom. Je viens de voir votre vidéo où les explications sont simples, efficaces et le ton fort sympathique, ce qui rend l'apprentissage ludique. Oui, voilà, effectivement... avec les personnages dans les formations, etc. Le but, hein, c'est de donner un petit côté ludique quand même à la formation.
On est quand même à la base pour jouer de la musique, hein, pas pour faire des maths. Encore qu'on puisse encore prendre aussi des cours de maths de manière ludique. Mais bon, voilà. C'est ça l'intérêt. Rime. J'adore vos cours, j'apprends beaucoup de choses. Laura. Merci pour ce site, il est excellent et vraiment différent des autres. C'est dans votre façon de présenter et d'expliquer les choses. Ça percute tout de suite, vous décomposez les choses, de plus souvent avec humour, et vous montrez les écueils à éviter. Donc c'est vivant et vous donnez envie de persévérer. Les autres sites présentent souvent des morceaux de musique, mais n'expliquent rien ou ne décortiquent pas et ça devient difficile, donc on laisse tomber. Joël, encore merci pour tous vos conseils. Didier, sympa cette vidéo, ça donne envie de savoir faire. Gilles, merci pour vos cours, j'apprends et progresse de jour en jour. Sabine, merci pour cette merveilleuse méthode. Papichou Papou, je suppose que c'est un pseudo. Je sais que c'est un pseudo. J'ai juste surfé un peu sur le site et il m'a l'air très bien. Bon, alors c'est pas encore un élève apparemment, Papichou Papou, mais il est déjà convaincu par le site. Robert, merci pour ce site. Jean-Luc, votre composition est parfaite. Et oui, dans les formations, vous trouvez non pas des morceaux connus, mais des compositions qui évoluent avec votre niveau. Nicolas, encore un bon cours. Mon prof nous a bien parlé de la respiration par le ventre, mais pas assez insisté sur rentrer en soufflant et gonfler en aspirant. C'est une révélation, merci. Donc en fait, Nicolas a déjà un professeur d'harmonica, mais visiblement, son prof ne lui avait pas expliqué les techniques de respiration. Donc ça, vous trouvez ça en accès libre, vous trouverez un lien sous la vidéo pour accéder à ce cours qui s'appelle « Un grand secret dévoilé ». Robert, merci Bertrand pour ces précieux conseils. Fabrice, merci pour votre travail sur ce site très bien fait. Philippe, merci en tout cas de ce site bien sympathique. Marie, merci pour votre investissement. J'aime vraiment beaucoup votre idée de proposer tous ces cours. Merci. Joël, félicitations pour votre site et votre travail permettant à des gens comme moi de réaliser des rêves de jeunesse. Ça, là, je suis très ravi hein, quand je vois que vous réalisez vos rêves de jeunesse. Nathan, bravo et merci pour ce superbe site. Pour un débutant en tout cas, tout est bien expliqué clairement. Loïc, génial et merci pour la rapidité des réponses. Alain, j'ai découvert votre site sur l'harmonica qui a l'air intéressant. Franck, super, étonnant. Avec ces conseils, j'ai solutionné le premier pas pour jouer et sortir des sons clairs. Merci. David, très beau travail et merci pour les vidéos et les conseils. Nico, je découvre votre site et je le trouve bien construit. C'est important aussi. Hein, là. Je vous avoue que le site, je l'ai refait. Enfin, toute la structure du site a été refaite au moins 7 ou 8 fois. Et le menu, vraiment, peut-être 15 ou 20 fois. Alors maintenant, le site est très bien fait, ok. Mais j'y ai passé du temps. Et j'ai passé du temps pourquoi et comment? Bah, grâce, encore une fois, à vos remarques constructives. Voilà, vous voyez, quand vous m'envoyez des remarques sur le site, sur la navigation, sur ce que vous pensez des cours, eh bien, bah, le site, lui aussi, s'améliore grâce à vous. Louise, bonjour, je suis débutante complète depuis seulement 2 jours, mais grâce à vous, c'est plus simple. Merci. En 2 jours. C'est fabuleux, n'est-ce pas? Yves, la passion qui vous invite à partager votre savoir est une marque de générosité qui vous honore. Merci Yves. Xavier, merci pour les cours en vidéo. Eric, merci pour ce site très utile et sympa. Denis, merci en tout cas pour l'initiative de ce blog. Sur le site, vous avez pas mal de cours. Vous allez voir dans le menu à gauche, vous allez voir pas mal de choses. Et puis le blog, en fait, ce sont les articles. Et des articles, j'en publie régulièrement, et vous recevez directement un email avec le résumé de l'article. Ensuite, vous pouvez le lire sur le site. Évidemment, j'envoie pas n'importe quel article à n'importe qui. Je cible les articles qui peuvent vous intéresser en fonction de votre niveau et de ce que vous recherchez. Thibaut, il me tarde d'apprendre grâce à vos cours. Merci à vous. Donc Thibaut, il avait vu les 4 cours en accès libre et ensuite il avait envie de passer à l'une des formations. Brian, bonjour, grâce à vos méthodes, j'arrive très bien à faire du une note à la fois depuis une semaine. Et oui, car la difficulté au début, c'est de ne pas jouer plusieurs notes à la fois, mais une seule note à la fois. Gérard, merci infiniment pour tous les efforts que vous faites pour nous transmettre votre passion et votre savoir-faire. Et vous vous donnez beaucoup de mal pour produire un site à l'esthétique très travaillée, ce qui est extrêmement agréable. Les 2 toiles devant lesquelles vous nous communiquez les techniques de jeu
attestent elles aussi de votre sens artistique. Merci encore. Allez de toile, vous verrez sur certaines vidéos, ce sont des tableaux que mon père a peints. Voilà, des tableaux, pièces uniques de Jean-Pierre Carbonneau. J'ai même fait une vidéo d'ailleurs sur quelques tableaux de mon père, dans la vidéo du samedi midi. Brian, encore un super article très utile. Christian, je suis un élève de Bertrand depuis un an, effectivement sa méthode est très motivante. Sylvain, je trouve ton site très intéressant et donner des conseils comme ça très généreux, bravo à toi gars. Il m'appelle gars, c'est charmant. Valentin, vos cours sont vraiment bien, j'apprends vite et je peux évoluer sur des styles de musique que j'aime bien avec un instrument assez sympa. Merci beaucoup et surtout, n'arrêtez surtout pas. Vous en faites pas, je vais pas arrêter. Hein. Julien, je n'avais jamais réussi à improviser grâce à vous, j'arrive peu à peu, merci. Oui, le cours d'improvisation, en fait, il démarre dès les tout premiers cours. En fait, bon, pas le tout premier cours, évidemment, mais même si vous êtes débutant, si vous êtes encore dans le cercle des marins de douce, eh bien, grâce aux ateliers collectifs, vous pouvez apprendre à improviser. Olivier, vous êtes le seul qui m'ait donné l'envie de faire chanter cet instrument avec de bonnes bases et bravo pour le travail que vous faites et votre dévouement, chapeau. Ben, en tout cas, merci pour cette méthode Chopin. C'est clair et ça m'aide vraiment. Génial. Louis, magnifique, superbe, je me suis régalé. Chris, bonjour et félicitations Bertrand pour votre démarche très généreuse et qui doit vous prendre énormément de temps. Je trouve tout cela très très intéressant. Ah oui, ça a énormément de temps, vous pouvez le dire. Hein. C'est quand même 10 à 12 heures de travail par jour, 5 jours sur 7, parfois 6. Bon, mais j'essaie de me calmer un peu, hein. J'essaie de travailler moi. Bon, j'ai déjà pas mal de choses en place, hein, donc j'ai besoin d'un peu moins travailler maintenant. Mais c'est vrai que les premières années, waouh, le travail était colossal, mais bon, vous voyez, hein, le jeu en valait la chandelle, puisque bah, tout le monde est satisfait. Ensuite, Denis, merci infiniment pour ces conseils. Damien, enfin de bons conseils sur l'embouchure. Pareil, ça fait partie des cours en accéléré. Vous trouverez les liens sous la vidéo. Gaston, je viens de découvrir vos 4 premières vidéos techniques. Je les trouve très pédagogiques et je vous en félicite. Encore une fois, ce seront les 4 cours en accès libre. Les liens sous la vidéo. André, bravo pour votre implication dans l'apprentissage des débutants. Vos vidéos sont explicites, claires et précieuses pour un bon début. Stefano, merci pour ces cours. La pédagogie est sympa et pratique à distance. Philippe, j'étais à deux doigts d'abandonner jusqu'à ce que je tombe sur votre site. Merci pour ces premières vidéos. Ouf. Werner. Je n'ai absolument aucune base, on ne peut pas faire plus débutant, et je trouve vos premières vidéos très didactiques et détaillées, parfait pour moi. C'est bien plus motivant quand on n'a pas le sentiment que ça va trop vite. Merci. Effectivement, j'ai à cœur que vous puissiez évoluer pas à pas, sans aller trop vite, et je vous explique tout dans le détail, ce qui fait que bah, voilà, vous progressez petit à petit. Marilyn, je vous remercie du fond du cœur pour vos cours gratuits très enrichissants, Monsieur Carbonneau. Donc ça, ce sont encore une fois les 4 premiers cours gratuits en vidéo. Caroline, félicitations pour votre site très instructif et bien présenté. Il me permet de redécouvrir l'harmonica dont je jouais étant enfant. On est très nombreux à avoir eu un harmonica quand nous étions gosses. Bernard, je trouve la manière d'approche très intéressante. Merci à vous. Eh bien voilà, merci à vous aussi de tous vos témoignages. N'hésitez pas à m'en envoyer d'autres. Je referai une vidéo peut-être l'année prochaine avec vos témoignages textuels. Et puis vous trouverez également un lien sous la vidéo pour voir les témoignages en vidéo. Donc en fait, il y a des interviews d'élèves. Ça me permet de faire le point avec vous, de voir comment vous avez progressé et ce que vous avez ressenti au travers des cours, des formations que vous avez suivies. Et puis également une section avec des témoignages spontanés en vidéo. Voilà, donc bah voilà, vous avez, si vous êtes nouveau, si vous venez d'arriver dans l'école internationale d'harmonica, bah vous avez un aperçu de ce que les autres élèves ont déjà ressenti, soit en parcourant le site, soit en s'abonnant à des cours ou à des formations. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Je vous retrouve donc mardi prochain pour notre séance d'Agora hebdomadaire. Et sinon, alors si vous n'avez pas la possibilité de suivre l'Agora en direct, vous pourrez revoir sa rediffusion. Donc, rendez-vous dans les ateliers pour ceux qui suivent les formations avec atelier.
le samedi prochain pour la vidéo du samedi midi et en tout état de cause, dimanche prochain pour un nouvel épisode de vlog. Voilà, à très bientôt, bonne musique!